Auteur de plusieurs attaques à main armée et de la mort d'un vigile, Richard Denoye a un casier judiciaire qui pèse lourd, très lourd. Ses 3 années passées à la santé ne semblent pas l'avoir calmé. Les débats sont houleux, l'avocat général ayant réclamé 30 ans de réclusion criminelle. Non mais lâchez-moi là ! Je voudrais parler au président ! Silence, monsieur Denoye, je vais évacuer la salle. Monsieur le président, écoutez-moi ! Denoye, la cour en a assez de vos fantaisies, restez assis. Mais je voudrais parler à une femme dans le public, là. Si c'est moi qui mène les débats. Maître Duvivier, vous avez la parole. Monsieur le président, à côté de cette dame, là, il y a un sac. Un sac qui n'est pas à elle. N'est-ce pas, madame ? Il est bourré d'explosifs ! Personne ne bouge, parce que si j'appuie là, tout pète. Hein ? Alors, personne ne bouge, hein ? Denoye, vous perdez la tête. Ta gueule ! Ah ! Allez, tout le monde assis ! On se calme, hein ? On se calme. J'ai dit assis. Ou t'as 50 morts sur la conscience. Denoye, vous aggravez votre cas. Ah oui ? 30 ans de tôle. Et pire ? Est-ce que tu crois que dans le sac, il y a mes affaires de plage ? Tu peux vérifier. Facile, hein? Commissaire, récupérez les plans du palais. Et faites un listing des otages, on est sur site dans 30 minutes. Marius. Ah, content de te revoir. Salut, Carlos. Dis donc, c'est notre nouvelle tenue de gala, ça ? Mais attends, critique pas, c'est du fait maison. Ta jambe, comment elle va ? Sur une broche, comme une cuisse de poulet. Et ben voilà ce que c'est quand on joue avec le feu. Hmm ? On t'avait prévenu ? C'est à ma belle. Toi aussi, t'as remarqué qu'elle est de plus en plus belle ? Ah, Darincy. Le profil de Denoye, s'il te plaît. Ses antécédents judiciaires, son livret de famille, ses biscuits préférés, enfin bref, je veux tout connaître. Ok, je m'en occupe. Ou alors, la bouffe de l'hosto, pire qu'ici ? Ouf, m'en parle pas. Mais bon, remboursé par la sécu, ça va ? Oh oh, patron. Bonjour, patron. Bonjour, Marius. Dis-moi, le Toubib n'avait pas écrit convalescence sur ton dossier ? On sait pas venir avec nous, là. Bah, j'avais pas grand-chose à faire. Les enfants sont à la garderie, Sophie travaille, alors je me suis dit que... La balle de 7,65, tu l'as prise dans la jambe ou dans la tête ? Allez, t'as quand même gros briefing, va. Vous êtes trop bon, patron. Merci, monsieur. Comme vous pouvez le constater, c'est un sentiment de soulagement bien légitime pour les 40 personnes que Richard Denoye a relâchées. Mais qu'adviendra-t-il des 10 otages avec lesquels il s'est enfermé dans la cour d'assises ? Parmi eux, le président de la cour, l'un de ses assesseurs, 3 jurés et 5 personnes du public. Dernier événement, on vient de me faire savoir qu'il exige de parler à la télévision. Sortir les otages de là-dedans sans rien casser, ça va être de la microchirurgie. Commissaire, s'il vous plaît, je voulais juste vous demander... Tout le monde est là ? Bien. Messieurs, Julia, une prise d'otage dans un palais de justice, pour nous, c'est une première.
Alerte de niveau 7. Nous partons avec les sections 1, 3, 4 et 5. Procédure d'urgence, équipement alpha standard. Des questions? Bien. Nous partons dans 4 minutes. Berger, dis-moi, ta femme, ça va mieux? Pas vraiment, non. Alors pour cette fois, reste ici. Pas la peine de prendre des risques inutiles, d'accord? Merci, patron. Et moi, Carrosse, je suis un peu emmerdé, là. T'as vu ta note de portable ce mois-ci? Attends, tu vas pas me tanner tous les jours parce que je vais poser une américaine? Non, mais ça commence à faire cher de l'unité. Fais gaffe, là-haut, ils vont te couper l'international. Ah non, non, pas aujourd'hui. C'est notre anniversaire de mariage. Ah bon? Vous fêtez ça où? Au téléphone. Et là, en mission à Johannesburg. Pourquoi faire simple, hein? Je vous en prie, commissaire. Non, je ne peux pas vous laisser y aller. Mais écoutez, il ne veut pas un otage de plus, il en a déjà 10. Il veut parler à la télé. Oui, je sais, mais c'est trop dangereux. Imaginez que... Mais ça flattera son ego et ça vous aidera. Allez, commissaire. C'est aussi votre intérêt. Bon. Bon, mais les images, je les contrôle avant qu'elles partent. Et soyez très prudente. Parlez-lui le moins possible. Merci, commissaire. Bien ça, hein. Je veux un hélico avec 2500 bornes d'autonomie et un pilote civil. Pas de surveillance quand je quitte le palais avec les otages. Parce que j'ai plus rien à perdre, moi. Alors pas de blague, hein. Denois, ouvrez les yeux. Vous n'avez aucune chance. On se calme. Allez, la journaleuse, filme! Si tout se passe bien, on va décrocher un sel d'or. J'avais dit aux flics de se tenir à carreau. Une bombe dans une salle d'audience. Et je croyais qu'ils avaient renforcé les systèmes de sécurité. Non? Bon, il y est. Très bien, merci. Il vient de blesser un collègue de la PJ, il tient 10 otages au bout de son arme. Là, il a mis la barre très haut, hein. On va en chier pour le faire redescendre. Bon, c'est qui ce Denois, là? Il y a 3 ans, il se fait virer d'une boîte de transport de fonds. 6 mois après, il braque un de leurs fourgons et tue un de ses anciens collègues. Sympa, et ensuite? Ensuite, il se fait arrêter, mais on n'a jamais retrouvé le fric. 30 millions de francs. Très fort. Ouais, et d'autant plus dangereux. On sait qui a fait entrer les explosifs dans la salle? Toujours pas, non. Classique. Un complice dépose le sac et se tire au début du procès. À l'heure qu'il est, il sirote une grenadine en terrasse. Tiens, regarde son visage. Nerveux, émacié. Le genre qui peut s'effondrer en une minute ou devenir fou furieux. Pour les psys, ce type est un déséquilibré psychique. Agressif à l'égard de la société, intelligent, impulsif. Enfin, c'est bien ce qu'on craignait. Moini, oui. Ah, c'est toi? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et pourquoi ça? Comment ça, j'ai jamais le temps d'écouter? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Oh, je t'en prie, Isabelle, ne rajoute pas. Isabelle? Mais merde. Sébastien n'est pas allé au lycée depuis 3 jours. Toutes les ouvertures, mortier, tu positionnes les tireurs tout autour de la salle, configuration en étoile. Bonjour, commissaire. Bonjour, Marine, qu'est-ce qui vous a pris? Denois veut se donner un spectacle, vous lui envoyez la télé, vous étonnez qu'il tire sur tout ce qui bouge? Comment va votre homme? Il est costaud, il va s'en tirer. J'espère que vous allez nous le coincer, cet enfoiré. Comptez pas repartir avant, mon vieux. Combien d'accès à la salle d'audience? 2. Le couloir des déférés, j'y ai placé 3 hommes. Et la porte d'entrée, là. Et qu'est-ce qu'il a comme arme? 357 Magnum. Ça rentre dans un palais de justice, ça, maintenant, on aura tout vu.
Bien, il nous faut un endroit calme pour le PC. Oui, on vous a préparé un bureau là-haut. Parfait, les moyens de communication. Le président a un portable, son numéro. Et la machine à café Là-haut, en face du bureau, il y en a une, je crois. Merci, marraine. Moreau, Rollin, je vous laisse sur écoute dans 5 minutes. Non, pas de paluche. Il a juré de descendre un otage s'il voyait une seule de nos caméras. On se calme. Allez, la journaleuse, filme. Si tout se passe bien, on va décrocher un set d'or. Il est en pleine expansion narcissique, là. Tous les regards braqués sur lui, il prend son pied. Et en plus, on lui envoie la cavalerie. Vous voyez pourquoi il exigeait d'être filmé? Parler des otages, c'est bien, mais de les montrer qu'ils tremblent de trouille, c'est beaucoup plus fort. Il est hors de question qu'on diffuse ces images. Non, mais attendez, là, si je peux pas les diffuser, ces images, comment je fais mon boulot, moi? Les images, on les garde. Et le reste, ça ne nous concerne pas. Toujours votre fameux jeu fétiche? Oui. Et il va falloir enlever les bâtonnets en or, sans rien casser. Ils sont là. Comme prévu, on nous écoute. Et on t'enregistre, mon vieux. Et on t'aurait filmé nous aussi si on avait pu. La carrosse attaque la négo et se ferme sur les prix. Silence général, Karoski au service. Je m'appelle Paul Karoski, je suis négociateur de la brigade. Je suis là pour qu'on trouve une solution ensemble, monsieur Denois. Mais moi, j'ai plus rien négocié, j'ai donné mes revendications. Je sais, monsieur Denois. Justement. Vos revendications demandent un peu de temps. Moi, avant toute chose, je voudrais qu'on parle des otages. C'est quoi le problème pour l'hélico? Il n'y a pas de problème. Faut juste qu'on trouve un pilote civil qui soit d'accord pour vous emmener. Ça va pas être très simple. Démerdez-vous, c'est mes conditions! À moins que vous ne préfériez l'un de nos pilotes. Et puis quoi encore? Ok, ok. Alors il me faut un peu de temps. Bon, alors mène-toi, je suis pas du genre patient. Hein. Écoutez, on a l'un et l'autre envie de sortir d'ici, non? Bon. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous rappelle. Il est à cran, hein? Le mot est faible, il part au quart de tour. Ça peut nous aider, mais si on le pousse trop. Ouais, en tous les cas, il va rester collé au téléphone. On le laisse mijoter. Les parents et proches des otages sont arrivés, j'y vais. Eh ben, t'es pas rentré chez toi, hein? Oh non, pas ce soir, je suis invitée à dîner. Ah bon? Par qui? Je t'en pose des questions. Non, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au club. Attends, laisse-moi deviner, il est prof de golf? De tai chi. Ah, fait dans la souplesse. Et occupe-toi de ta... Hein? Je m'en occupe de ma... Non, mais je me fais du souci pour toi, parce que la dernière fois... Hein? Bon, dis-moi, Karos. Un pilote, un hélico, une autonomie de 2500 km, ça ne paraît pas un peu too much? Ouais. Il sait très bien qu'on aurait du mal à trouver un pilote civil prêt à risquer sa peau. Ouais, même si on voulait d'ailleurs. Et sans pilote, il décolle pas. Alors qu'avec une voiture, il met un otage au volant, il se casse. Pourquoi des revendications aussi compliquées? On se calme. Allez, la journaleuse, filme! Si tout se passe bien, on va décrocher un set d'or. Ce type-là, je l'ai déjà vu quelque part. Qui c'est à l'otage? Chloé Berthier. C'est bon, allez-y. Oui, madame, nous avons eu un premier contact avec le preneur d'otage. Mais autant que je vous le dise tout de suite, une négociation peut durer très longtemps. Commissaire Morini? Oui? Je suis Chloé Berthier.
La fille du président de la cour? Oui, c'est ça. Il est toujours avec les otages? Malheureusement, oui, mademoiselle. Il est diabétique. Je suis allée chercher son insuline. Il faut absolument qu'il la prenne. Appelez immédiatement son médecin personnel. Venez vous asseoir, je vous en prie. Pardon, monsieur. Vous voulez boire quelque chose? J'ai mis un café. Nous allons tout faire pour lui passer l'insuline. Je vous le promets. Merci. Mon père voulait pas de cette affaire. Il la sentait pas. Nos médecins sont là pour vous aider, pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. Merci, commissaire. Messieurs, dames, je reviendrai vous voir pour vous tenir informés. Isabelle? Oui. Il est là? Passe-le-moi. Attends. S'il n'est pas allé au lycée depuis 3 jours, je peux quand même lui demander pourquoi, non? Non, je suis pas énervé, j'ai juste 10 otages sur les bras, tu m'excuseras. Mais c'est ça, oui. Mais oui. Bon, je vous rappellerai plus tard, mais quand je rappelle, je veux lui parler. D'accord? Alors, commissaire, encore une bonne journée en perspective? Je vous offre un café? Et volontiers. François, j'aimerais rester en observatrice dans le PC de négociation. Lucie, votre boulot, c'est de tout raconter. Le mien, c'est d'en dire le moins possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais personne ne peut se passer de médias aujourd'hui. Avec moi, au moins, vous avez l'assurance que j'ai... Vous avez réussi à bluffer ma reine. Avec moi, vous aurez un peu plus de mal. Mais les gens ont besoin de savoir ce qui se passe dans la salle. Pas si c'est un risque pour les otages, vous le savez très bien. Lucie, la frontière entre nos deux boulots, c'est cette porte là-bas. Désolé. Toujours aussi rigide, Morigny. Je tiens ça de mon père. Un vrai Corse, lui. Allô? C'est Karoski. Bon, on en est où, là? On avance. On avance, mais je voudrais reparler des otages. Pourquoi? Il y a un diabétique. Le président de la cour. Je voudrais savoir s'il tient le choc. Choqué, il le sera carrément si vous essayez de me baiser. On veut baiser personne, croyez-moi. Mais il faut aussi que vous compreniez ma position. Il y a un otage malade. Alors, si vous laissez entrer un médecin... Pas question. J'aimerais que vous m'aidiez un peu. Au moins son insuline. Karoski, tu me les casses. Alors je vais t'appeler Karoskouille, ok? Et on se tutoie, Ça me gêne pas. Alors écoute-moi bien, Karoskouille. Tu me laisses sortir d'ici avec mes otages et je te laisse le tuberculeux. Écoute, Richard. Moi, je suis là pour t'aider, tu le vois bien. Alors je vais être clair avec toi. J'ai des supérieurs. Et eux, ils me donneront jamais l'autorisation de te laisser filer avec les otages. T'as un raisonnement qui m'inquiète un peu, là. Je te rappelle que j'ai quoi tout faire péter ici. Alors envoie l'hélico. Réfléchis, Richard. Réfléchis. Si je te laisse sortir, tu vas te faire tirer comme un lapin au coin de la rue. T'as qu'un mec du côté des flics qui est prêt à t'aider. C'est moi. Bon, arrête ton numéro, Karoskouille. Je t'avertis, ça va mal tourner. Je suis déçu, Richard. Je suis déçu parce que tu me fais pas confiance. Y a aucune raison que ça tourne mal. À nous deux, on peut trouver une solution. Toi et moi. Les gens ici commencent à trouver que t'es un individu relativement dangereux. Il peut basculer en une minute. Je sais, et je le tiens pas encore. T'as entendu son intonation quand il a reparlé de l'hélico? Ouais. Il se braque là-dessus et pourtant ça n'a pas de sens. Karoski, téléphone pour toi. C'est Marius. Ouais, Marius. Karos, ton preneur d'otage, il est pas tout seul. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, je te mets sur haut-parleur. Regarde la vidéo de Lucien Rousseau. Le brun derrière le président. Cheveux courts, blouson gris. Tu le vois? Oui, je le vois. Qui c'est? Martin Béranger. 15 ans de tôle, sorti il y a un an. Soupçonné de plusieurs affaires criminelles, mais jamais arrêté, faute de preuves. Pointure. Et devine quoi? Il était en prison avec Denois? Bingo. Voilà le complice qui a fait entrer les explosifs. Merci, Marius. Même la tête dans le plat, tu serais le meilleur. Eh ouais. Et comme je vois que vous avez du mal à vous passer de moi, je reste à dispo. Ciao. Aucun moyen de vérifier ça. Descendre dans la salle. Pour être pris en otage, toi aussi? Il faut faire entrer l'insuline. C'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Denois est un mégalo. Ça va le flatter que je vienne le voir. Bon, d'accord, tu y vas. Allô, Denois? Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai l'insuline pour le président. Je te propose de descendre dans la salle pour la lui donner. Personne ne rentre dans la salle. Écoute, la France entière suit ton affaire. Tu peux pas passer pour un salaud. C'est ça, et dans l'insuline, tu caches un flingue? Attends, les dos, c'est grand comme un stylo, tu risques rien. Ok, je t'avertis, pas d'embrouille. De Alpha, l'équipe médicale a porté l'insuline au PC. Toi, là. Oui, toi. Qu'est-ce que tu fous? C'est à condition de Denoir. C'est le cas où j'aurais planqué une arme. T'es mignon tout plein, comme ça. Tout ça, tout plein? Fais gaffe à toi. C'est quoi ce t-shirt? Cadeau de sa femme. Discret? Moi, Karoski. Enfin, Karoskouille. Comme tu vois, je suis pas armé, hein. Pas de coup fourré, hein, je te préviens. Regarde. Tu veux que je cache une arme? Hein? Tu lui files les doses et en échange, tu prends la bombe. Et pas de conneries, hein. Je suis là pour t'aider, Richard. Qu'est-ce que tu fous, là? Qu'est-ce qu'il y a, Richard? Pourquoi tu regardes en l'air? Pourquoi? Tu veux faire signer à tes petits copains pour qu'ils donnent l'assaut, c'est ça? Je vais chercher, je t'ai donné ma parole. Non, je voulais juste te voir comment se portaient les otages, c'est tout. Tu mens! Je te préviens, je vais te buter. Hein? Comme ça, tes copains sauront qu'il faut pas me prendre pour un petit con. On n'est pas des dingues, on donne pas un assaut comme ça. Et puis on est en pleine négociation tous les deux, hein. Tu te rappelles? Alors, t'as une bonne nouvelle pour moi? Fais une demande à Paris. Pour ton hélico. Il est où? J'entends rien, là. Je suis aussi venu te demander si tu voulais bien libérer un otage. Ils n'ont rien fait. Ils sont quand même venus au spectacle! C'est des enfoirés comme les autres! Richard, tu peux pas en vouloir à la terre entière, hein. Ta gueule! Fais un geste. Si tu libères une ou deux personnes, tout le monde sera plus cool avec nous. C'est moi qui fixe les conditions. Ok, ne t'énerve pas. Je m'énerve parce que tu me prends pour un con. Personne ne bouge! Et toi, tu reviens avec les autres. S'il vous plaît, mademoiselle. On écoute Monsieur Denoir. Maintenant, tu arrêtes ton marchandage, hein. Et tu reviens quand l'hélico est prêt. Le pilote, le plein, tout. Tout! Allez. Help! La bombe. J'en ai encore besoin. Et ne joue plus au con avec moi, hein. Béranger est son complice, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il attend pour sortir de l'ombre? On a son adresse? Oui. Ordonnez une perquisition chez lui. C'est toujours instructif de fouiller les poubelles des truands.
Bouchard. Allô? Pour l'hélico, c'est en bonne voie. Ingénieur ou deux. Ah oui? Et le pilote? Bien parti aussi. Non mais attention, je veux un pilote femme. Comment ça, un pilote femme? T'as jamais demandé ça? Parce que je veux pas un de tes copains déguisés. Pour qu'une fois là-haut, boum. Alors là, tu me poses un problème, Richard. C'est déjà assez dur de trouver un pilote qui soit d'accord pour faire ça, si en plus ça doit être une femme. Mais t'es contre l'égalité des sexes. Très bien. Mais je préfère te prévenir, ça risque d'être long. Et toi, tu vas avoir de plus en plus de mal à tenir tout le monde. C'est ta première prise d'otage. Moi, j'en ai fait un paquet. Tu t'enfermes, là. Ça va être dur de dénouer tout ça, crois-moi. Réfléchis. Un pilote femme. Inconsciemment, il veut prolonger la négo. Il est toujours dans son délire narcissique. T'as du chocolat? Je t'ai pris du noir. 76% cacao. Cette boulimie en plein négo, ça me fascinera toujours. Et au fait, ça fait combien de temps qu'ils ont rien mangé, les otages? Enfermés là-dedans depuis ce matin? Lucie Rousseau, en direct du palais de justice de Coulommiers. Après de longues minutes de conversation entre Richard Benoît et le négociateur de la brigade, le preneur d'otages a refusé que l'on fasse passer des plateaux repas dans la salle. Lucie, vous êtes toujours sur place à Coulommiers, alors où en sommes-nous ce soir? La situation ici, au palais de justice, est toujours inchangée. Cela fait maintenant 10 heures que les otages sont retenus dans la salle d'audience. La police craint les premiers effets du syndrome de Stockholm. Je vous rappelle que le syndrome de Stockholm est un phénomène qui a été observé lors d'une prise d'otage en 1973 à Stockholm précisément. Les otages étaient gagnés par un sentiment de sympathie pour leur ravisseur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ma faute s'il n'y a pas de chiottes dans une cour d'assises. Tu voulais quand même pas que je vous laisse sortir, non? Vous n'êtes pas obligé d'humilier vos otages. T'as qu'à dire aux flics qu'ils nous laissent pas moisir ici. De Alpha 8 à Alpha 1. Nous sommes dans la salle d'audience numéro 1, prêts pour la répétition de l'assaut. D'Alpha 1 à Alpha 8, j'arrive. Merde. Père qui, je suis Béranger, ça traîne. Alors comme ça, il est prof de tai chi, ton nouveau copain? Non, ça va, arrête. Vous avez dîné où? Un restaurant pas loin de la base. Le relais du Chamillard. Ah, il va pas se ruiner, hein? Quoi, tu connais? Oui. Un routier ouvert 24 heures sur 24. Pratique. Oh, et tu te fous de moi, là? Non, non, mais c'est très copieux, tu vois. Ils ont un petit menu à 59 balles. Formidable. 59 balles, ben compris, hein. Deux, un, go! Neuf secondes, les enfants. Vous me l'en faites deux, trois fois, c'est encore un peu mou, hein? C'est la perquise, tu Béranger. Un Beretta, du col 45. Il n'y a pas la conscience tranquille, hein? Ce qui m'intéresse, c'est ça. Le 36 stratagème, traduit du chinois, bourré de notes. Un stratagème chinois, je veux bien. Mais lequel? J'appelle Marius. As de la stratégie. T'es tombé sur des futés, Carlos. Ils pensent un peu plus loin que le bout de leur flingue. Bon, je te rappelle dès que j'ai une piste. Qu'est-ce qu'il y a, c'est leur tapicure? 10 ans de mariage. Avec une américaine, t'oublies la Saint-Valentin ou l'anniversaire de mariage, t'es mort.
Avec une Française aussi. Hello, hôtel Balalaika. Jennifer Barton-Karoski, room 21, please. Ouais, pas mal l'accent, ouais. Finalement, c'est normal qu'il t'ait pas prévu le billet. Et merde. On balancé sur la boîte vocale de sa chambre. Hello, ouais, c'est moi. Mais bon, c'est pas là. Bah, tu vois, moi, je suis là. Je pense à nous. 10 ans. Ça m'a paru court, 10 ans. Faut dire que... Enfin, j'ai envie d'être avec toi aujourd'hui. Together. You know what I mean? I love you, honey. I love you. C'est Marius. D'après lui, ils utiliseraient le 6e stratagème. Mener grand bruit à l'est pour attaquer à l'ouest. Ils attirent notre attention à droite. En nous prenant la tête pour avoir un hélico? Alors que c'est à gauche qu'ils vont frapper. Et pour faire quoi? Attends. Ici, la salle d'audience. À l'intérieur, de nous à Béranger, et là, les otages. Et tout autour, c'est nous. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? En 95, la Banque des Ternes. Bah quoi? On a négocié pendant 7 heures, et tu te rappelles ce qui s'est passé? Merde, t'as raison, je vérifie. Ah voilà, service de la ville. Les plans des canalisations et des aérations. Caroscouille, j'ai décidé de libérer 2 otages. Oui, Richard. Je vais annoncer la nouvelle à mes supérieurs, ils vont être contents. Ne quitte pas. 6e stratagème. Il suffit ensuite de céder brusquement sur un point. En libérant 2 otages. Pour faire croire à l'adversaire qu'il a gagné une bataille, et donc diminuer sa vigilance. Je crois bien qu'on a tapé dans le mille. Richard, mes supérieurs sont ravis. Tu vois, marquez un point. Alors, voilà ce que je te propose pour la sortie des otages. Toi, viens ici. Et vous, Rossel. Vive, mon Dieu! Commissaire, cela fait 12 heures que les otages sont retenus. L'adversaire est trop fort pour la brigade. Denois libère 2 otages. Mais ça, c'est une information. Et celle-là, vous pouvez la transmettre. Je peux filmer la sortie des otages. Lucie, n'en demandez pas trop. Je sais. La frontière entre nos deux métiers. Madame, monsieur, pour vous c'est terminé. Notre équipe médicale va s'occuper de vous. Je vous en prie. Mademoiselle, votre père, c'est le président de cette cour. C'est normal qu'il ne l'ait pas libéré. Mais c'est pas possible, je vais y aller, moi. Je veux y aller, non, je veux y aller, papa. Marcel, calme-toi. Papa, papa. Chloé. Thank you.
morceau de beans. Il y a un brouillard quelque part, trouvez-le-moi, vite. Et renforcez la sécurité partout, ça sent la diversion à plein nez. Allez. Patron. Et quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Un brouilleur, sûr. J'appelle Morigny. Deux Alpha 2, Alpha 1. Deux Alpha 2, Alpha 1. Ça y est, ils attaquent à l'ouest. Ils vont nous planter. On va le chercher, on descend la chaufferie. Vous deux, vous venez avec nous, vite! Merde! Tu m'expliques, là? Les flics t'attendent de l'autre côté, avec les otages, Nico et tout le bordel. Mais j'ai jamais eu l'intention de me tirer avec les otages. Quoi? Ça fait 2 mois que je prépare ça. Le cadastre, les plans, je connais tout par cœur. Merde, alors. Et elle met où, cette gaine? Dans la chaufferie, au sous-sol du palais. Dans 3 minutes, on est dehors, une bagnole nous attend. Et les flics? Les flics te rappelleront, on sera loin. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Pour que tu sois crédible. Putain, la teigne que t'as été. Les mecs ont vraiment cru que tu partirais pas sans ton hélico. T'aurais pu quand même me mettre dans le coup. Ça change rien au deal. Je te libère, tu récupères le pognon, on partage, je te connais plus. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Un courant d'air. Il y a un courant d'air. Enfin, dans une gaine de ventilation, ça me paraît normal. Oui, mais là, il est dans l'autre sens. Ouais, dans l'autre sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un accès est ouvert et ça fait un appel d'air. Merde. Ça veut dire que les flics nous attendent au bout. Les enfoirés, ils ont pigé. Vous les avez pas chopés? Ah non, me dites pas qu'ils sont montés dans la salle. Malheureusement, oui. Mais merde! Carence, tu sais très bien qu'on fait un sans mon accord. J'avais pas le choix. C'est toujours une initiative qu'on finit par se faire flinguer. On a essayé de vous prévenir. Prévenir? Plaisanter ou quoi? Chacun se met à improviser, vous imaginez où on va? Bon, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Tu te souviens de la banque des termes? Je me souviens. Ces petits futés nous faisaient croire qu'on était encore en négociation. Pour l'instant, là, ils filaient par les égaux. Mais bon, en tout cas, notre problème à nous, c'est que. Casse départ. Ben, c'est pire que la casse départ. Leur plein foire, ils vont être comme des fauves en cage. Tu pourras pas reprendre la négo. Le type qui passe si près de la liberté. Entendu, ça va pas être la ligne de miel. On peut peut-être jouer là-dessus. Trop risqué pour les otages. Bon, on prépare l'assaut, j'appelle la ministre. Allez. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Un cerveau, qu'est-ce qu'on fait? T'as intérêt de me sortir de là, hein, parce que sinon le pognon, tu peux l'oublier. Hein, t'auras rien, rien. Ah. La ferme! Messieurs, ça fait des heures que vous nous traitez comme du bétail. Vous voyez bien que c'est fini. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Il ne vous reste qu'une solution pour que nous sortions d'ici. Vivant, vous comme nous. C'est de vous rendre à la police. Vous savez qu'il n'y a pas d'autre solution.
qu'aggraver votre dossier. Oui. Le coup de feu, il y a des blessés ? Un otage. Passez-moi Martin Béranger. J'écoute. Béranger ? Ici le commissaire Morini. Vous avez fait la une des journaux, moi aussi. Vous savez donc qui je suis et je sais qui vous êtes. Je ne suis qu'un otage, commissaire. Avec un sac d'explosifs et un 357 Magnum ? Vous avez des preuves ? Des témoins. Non. Des otages. Alors maintenant, on arrête de rigoler. Vous ne m'en avez guère donné l'occasion jusqu'ici. Je veux une voiture pour partir avec trois otages. Je vous préviens, vous ne m'aurez pas vivant. Attendez, Béranger, attendez. Vous allez d'abord laisser entrer un médecin pour soigner le blessé. Le blessé, il attendra. Qui est-ce ? Le président de la cour. Il a joué au con. Merde. Un toubib. C'est ma condition, sinon personne ne part. Ok. Mais une toubib. Une femme. Sinon, pas question. Trouver une femme médecin volontaire, c'est compliqué. Démerde-toi. Président Berthier, faut absolument le sortir de là. On peut faire entrer quelqu'un. C'est pas dans vos prérogatives, Julia. Écoutez, patron, je suis pas médecin, mais... si on n'intervient pas très vite... De Alpha 17 à Alpha 1, brouilleur repéré, déconnecté. De Alpha 1 à Alpha 17, bien sûr, merci. Regarde ce qu'on t'a fabriqué. Là, tu as un mécanisme électronique. Dès que tu sens une ouverture, tu appuies là-dessus. Nous, on est derrière la porte. Ok. Et leur détonateur, il est sensible ? Ça m'étonnerait. Donnois l'avait sur lui pendant toute l'opération et il s'est beaucoup démené. Ça va aller ? T'es sûr ? Ouais. Approchez. Ouvrez votre cartable. Un médecin, ça sait prendre le pouls à la main, alors pas besoin de ça. Allez-y. À quoi ? Vous avez entendu, vous êtes quoi comme médecin ? Généraliste. Bon, alors faites vite. Écoutez, il me faudrait mon stéthoscope. Pourquoi ? Je dois contrôler sa respiration, il peut nous faire un pré-coma.
quoi? Il faut le perfuser et le mettre en PLS par terre. En position latérale de sécurité. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis pas infirmier, moi. Bon, alors vous venez. Oublie. Écoutez, je peux pas le faire toute seule. Et les otages? Allez, vas-y, qu'on en finisse. Mais vas-y, toi! Donne-moi, tu y vas ou ça va mal finir. On va pas y passer la nuit, merde! Tenez-moi ça. Maintenant. Mais ça va aller. On va tout de suite vous donner à boire et à manger, monsieur Bonnet. Jean-Pierre. Comment ça va? Ça va. Papa. Ça va, ça va. C'est une blessure superficielle, mademoiselle. Mon petit papa. J'ai eu tellement peur. J'avais raison. J'en voulais pas de cette affaire. Trop explosif. Je me doute bien qu'à cette heure-ci, il dort encore, mais réveille-le. Quoi? Il t'a juré sur ma tête qu'il sécherait pas les cours aujourd'hui? Bon, ben alors laisse-le dormir. Putain. On négocie 20 heures, on pige le coup et finalement on y va au flingue. C'est pas génial quand même. Bien pour ça qu'on va se faire un petit débriefing. J'ai un petit coup de fil à passer d'abord. Merci. Mais oui, toi aussi, appelle-la ta Jennifer. Essaie de faire court, sinon c'est encore moi qui vais me faire remonter les bretelles. Oui, le relais du chamillard? Excusez-moi de vous déranger. Votre menu est à combien? 59 francs. Mais 120. Ah, va compris. D'accord, très bien. Je vous remercie, au revoir. Tu vois, tu veux jamais me croire. Hein? Oh, tu fais chier, carrosse. Arrête. Il est 6 heures du matin, tu vas croire que c'est les flics qui viennent me serrer. Marius Philibert Montieu! Ouvrez! Bah alors, convalescence, ça veut pas forcément dire grâce matinée. Oh, les salauds. Je sais pas si tu mérites, hein. C'est quoi? C'est pour moi? Madame Karoski. Madame Karoski. Tu vois, elle a même pensé au cadeau. Et lui, vous croyez qu'il y a pensé au cadeau? Un jeu de la première série, ça fait des années que je le cherche. Est-ce qu'elle a pu trouver ça? Elle travaille au FBI, elle. Roger 1201 R1.